Et salut à tous, c'est Vikings pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour invoquer sur Dokkan Battle. Sauf que c'est différent parce que j'ai fait que deux multis et je les ai faites sur mon téléphone. Du coup, j'avais oublié le son pour le début. Juste à la fin, du coup, on m'entend. Et on va réagir ensemble à ces deux invocations. Pourquoi deux? Vous allez voir pourquoi. C'est parti. On va mettre le son un petit peu plus fort. Attendez, 2 secondes. Parce qu'en fait, je parle pas au début, je parle après, du coup, c'est pour pas que ça vous casse les oreilles. Regardez. Du coup, là, c'est pour Vegeta. On regarde. Attendez. Du coup, là, j'ai Végéto. Qui me garantit, du coup, un Dokkan Festival. Regardez. Alors. Mangenta. C'est ma première multi. Et voilà. Je tombe directement sur le Vegeta LR, le nouveau. En une seule multi, c'est ma première multi que je fais sur ce portail. Bon, du coup, là, on pense que je m'en fous. Vous allez voir après. Et en plus, j'ai le nouveau Freezer du même portail. Qui est pour moi pas ouf d'ailleurs. J'ai joué, il est pas ouf. Voilà, CCS. On va voir ma joie, vous allez voir. Putain! J'ai pas mis le micro! Oh la vache, j'ai Végéta et Freezer! J'ai aussi. Non mais c'est quoi cette multi? J'ai aussi collé Kefla! Mon dieu! Pour ce que j'ai eu 3 Dokkan! Ah non, Freezer était pas dedans? Il faisait partie? Bah si, il fait partie, c'est avec le Gohan et tout! Putain, mais ma team univers, elle va être magnifique! Ah bah ça y est, je peux direct retourner sur le Goku Ultra Instinct, yes! Voilà, du coup, bah, je suis hyper content. Et on va, du coup, comme je l'ai dit, on repasse sur le Goku Ultra Instinct. Et j'ai fait plusieurs multis. Attendez, je suis pas sûr, j'ai fait plusieurs multis, à moins que non, ça. Non, j'en ai pas fait, non. J'en ai pas fait d'autres, si, quoi que j'en ai fini. Non, ça c'est celle que j'ai faite juste après. Celle-là, je l'ai faite quand je suis rentré de vacances, mais j'avais pas encore fait de vidéo, du coup je l'ai fait sur mon téléphone aussi. Et pareil, je vais réagir vers la fin. Et sur ce portail, j'avais tout eu, sauf le Goku Ultra Instinct et le Buu en LR. Et ça me. Juste un truc avant, ça me rappelait pour les 50 Dokkan, j'avais 900 diamants, enfin 900 DS, et j'avais vu Gogeta au ticket, mais j'avais eu tous les autres LR. Et pour le Végéto, je l'avais même pas eu, alors que j'avais vu tous les autres LR avec plein d'animations et tout. Du coup, pour ce portail, j'avais plein d'animations qui me garantissaient un bon perso, sauf que c'était jamais le Goku Ultra Instinct. Alors, vous allez voir celui-là. Déjà, ça là, c'est de la merde. Là, même pas de Super Saiyan, je me dis ok, multi de merde alors que je farm des DS pour rien. Regardez. Voilà, tu vois, ça me garantit un truc pas ouf. Là, je me dis, ok, c'est de la merde. Regardez bien, le petit rond, j'appuie plein de fois dessus. Parce que je m'en fous en fait. Là, je vois que c'est de la merde, que la multi est pourrie. Et voilà, regardez ce qui tombe. Le Goku Ultra Instinct LR, je suis pas bien là. Je suis choqué. Écoutez. Pardon. Pardon, je l'ai eu. Pardon. J'avais une multi pourrie. Mais c'est pas possible. Je l'ai eu. Je pensais que j'avais une multi pourrie. J'avais rien du tout. Oh, c'est trop bien. Et là, du coup, je l'ai eu bon d'un dans mon chien qui buvait de l'eau. Mais voilà, j'étais trop content alors que j'avais vous avez bien vu comme moi, une animation claquée au sol. Et je me suis dit, bon, j'ai tous mes diamants, pas besoin de dépenser. Sauf que là, en live, juste avant, j'ai fait un live. J'avais 38 DS et j'ai repack sur le Vegeta vu que j'ai fait une seule multi. Et j'ai eu un doublon. Alors, je vous le dis, j'ai eu un doublon sur Kefla. Et je pensais juste après que j'avais une gratuite. Sauf qu'en fait, non, faut qu'encore je fasse 45 DS. Du coup. Je referai une dernière multi à 45 DS pour le Vegeta Pulse, la gratuite. Et après, ça sera fini. Je dépenserai plus dans les DS. Voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette dernière vidéo invocation sur Dokkan Battle. Et juste pour préciser d'ailleurs, j'ai enlevé DB parce que les 3 ans sont une vraie arnaque. Le créateur a mis un troisième partie anniversaire avec aucun cristaux. Du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, j'arrête le jeu. Le jeu est parti en miettes. Voilà, du coup n'oubliez pas de me suivre sur Twitch, c'est très important. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est très important, venez me suivre sur Twitch, ça me fait vraiment très plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!